Ça va, maman? T'es sûre que tu peux conduire? Oui, ma chérie, ça va. Tout va bien. On y va? Tout de même, la pauvre. Ouais, c'est quand même un beau salaud. Hein. Jacques, c'est vous qui avez piqué des couverts? Oh, ça va, deux fourchettes, trois cuillères, on va pas en faire un plat. Et puis tu connais Liliane. Parce que laisse-moi dire qu'on est tombé sur un proprio pointilleux. Ah bon? J'espère que vous avez rien piqué d'autre au moins. Ça va? Vous vous aidez surtout? Tout ça pour des couverts? Ce n'est pas des couverts dont je parle. Mais c'est avec des peignoirs! Oh non, Jacques! Les peignoirs! Jacques, mes enfants! On y va! Bon, bah, moi, Michel, j'y vais. Quoi? Ça va vous goûter, saut! Vous avez l'air de mes nouvelles! Qu'est-ce qui se passe, Michel? Y'a un problème? Tu connais Liliane? Ouais, viens. Claire, on est arrivé. Alors, comment c'était? Génial. Oh, je suis épuisée. Ton père était en grande forme. Il a pas arrêté de week-end. Tennis, rando, vélo. Moi, si je fais rien, je déprime. Hein. Ah oui, bah, la dépression est loin, hein, y a de la marge. Oh, on peut pas en dire autant de tout le monde. Annabelle a ruiné le week-end. Elle a passé 2 jours à pleurer. Mélanie, elle a vu sa mère dans un état. Mais pardon, si elle s'est fait larguer le mois dernier, si son mec est un salaud. Un salaud. Mais un type qui se tape toutes les nanas, t'appelles ça comment, toi? Un bon coup. Mais c'est ça, fais la maline, toi. On verra bien plus tard si le mec que tu aimes se tape toutes tes copines en douce. En fait, papa Guy a appelé. Tiens, en parlant de dépressif. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il a pas trop voulu me parler, il avait une petite voix. De toute façon, il part de Belgique aujourd'hui, il arrivera demain. Tu pourras lui demander toi-même. Comment ça? Il arrivera demain? C'est quoi ces conneries, Michel? Ça va, inutile de m'agresser. Et tu sais qu'il ne va pas fort ces derniers temps. Mais il va jamais fort! Il a qu'à se mettre au sport comme toi, gros nigo. Tiens, tu l'emmèneras faire un squash. Ça le guérira sûrement. Oh, t'es dur avec lui. Hein. Je te rappelle que c'est mon cousin. La famille, c'est une notion qui te parle, ça, la famille? Entraide, soutien, solidarité? Mais oui, t'inquiète pas, ça me parle plutôt bien, ta notion de famille. On est juste les seuls à l'entendre. Ouais, ce que tu risques d'entendre, c'est « Allez !» Je t'ai rapporté quelque chose de Namur, mon amour. Oh, c'est ça, moquez-vous en plus. Déjà que je vais devoir encore le ramasser la petite hier, parce que je sais très bien comment il est quand il déprime. Quand il va arriver demain, ça va être terrible, hein. Oh, hey. Salut, ma Christine. Je t'ai ramené un petit quelque chose de Namur. Namur. Ben, salut, Guy. Merci, Guy. Allez, va. Ah, mon Michel. Comment on va? Plutôt bien. C'est à toi de vous poser la question. C'est terrible, mon Michel. J'ai découvert que Martine avait un amant. Quoi? Martine, un amant? Mais c'est pas possible. Bah, quand je te le dis, ma Christine, quand je te le dis. Oh, mon beau vieux. Salope. Ah bah, là, c'est plus flagrant d'un coup, hein. Mais c'est l'éternelle rengaine, quoi. Un mec qui se tape toutes les nanas, c'est un joli cœur. Mais en revanche, une femme qui s'envoie en l'air, c'est... Une grosse pute. Allez, Guy, ça va aller. Tu vas rester quelque temps chez nous, là. Au moins 2-3 jours, le temps que ça aille mieux. Tiens, demain soir, on reçoit nos amis à dîner. Tu vas voir, ça va te changer les idées. Allez, t'es un frère pour moi. Thank you.
ne vient pas ce soir ? Enfin non, si c'est pour qu'elle nous plombe l'ambiance comme elle a fait le week-end dernier. Jacques, tout de même ? Ben quoi, c'est pas vrai ? Elle était là toute seule, triste dans son coin. On aurait dit qu'elle allait à un enterrement. Jacques, une rupture amoureuse, ça peut être extrêmement difficile à vivre, tu sais. À qui dis-tu ? Tout de même, la pauvre, j'espère qu'elle ne restera pas trop longtemps seule. C'est sûr qu'habillée comme ça, elle risque surtout de finir... Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Now, Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Now, Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bombastic. La belle, es-tu sûre d'aller bien ? Mais je ne me suis jamais sentie aussi bien. Non, parce que le week-end dernier, tu n'allais pas fort fort. Mais j'ai changé, Liliane. J'ai décidé de mordre dans la vie, comme dans les hommes. À pleines dents. Tiens, dis-moi, Michel, en parlant du week-end dernier, tu as pu mettre le film sur la clé USB ? Non, pas encore, mais promis, je vais m'en occuper ce week-end. Pardon ? Tu sais mettre des films sur une clé USB ? Toi ? Je te sentais, hein! Oui, bah, qu'est-ce qu'on se marre, hein? Bon, j'achète quelques bonnes bières, moi, hein? Dis-moi, Michel, il serait pas un peu con, ton cousin? Allez! Chargé. Merde, est-ce que j'ai foutu ma clé ? Claire, tu n'aurais pas vu ma clé USB ? Non, mais si, elle était là, je l'ai encore vue tout à l'heure. Et toi, t'as pas de clé ? Non, c'est naze la clé USB. Quoi, c'est naze la clé USB ? Et comment je fais alors si je veux envoyer mes vidéos ? Ben, il y a le cloud. Quoi, le cloud ? Allez, te fâche pas, vu que maman en avait une. Ah bon ? Et là, c'est à ta mère ? Ouais, je tape de nu. Bon, allez, je vais chercher. Parce que tu fouilles dans la table de nuit de ta mère, toi, maintenant. Je fouillais pas, c'est juste quelque chose, c'est pas pareil. Tiens, t'inquiète. Comment je fais, faut mettre les signes dessus. Papa, enfin, calme un mot, tu mets dans l'informatique. Ça y est ? Ouais. Tout est dessus ? Super. Tu l'as déposé chez Jacques et après j'irai faire mon footing. C'est ça, va le faire chez Jacques. C'était qui ? C'était Michel. Mais il est toujours en train de courir celui-là. Il m'a apporté les films du week-end dernier. Les enfants, vous voulez voir papa, maman, frère et tout ? Et comme ça, je te plais, hein? Papa, pourquoi Christine est tout nue? La télécommande! Elle est où la télécommande? Vite! Et si je prends ça? Maman, qu'est-ce qu'elle a dans les mains, Christine? Bordel, ça marche pas! C'est normal, t'as plus de pile. Jacques, je t'en prie, fais quelque chose! Et là, tu dis rien? Jacques! Il y avait quoi sur cette clé? J'en sais rien, moi, t'as bien vu. C'était la clé à Michel. C'était bien le film du week-end dernier, au début. Au début? Oui. Papa, pourquoi t'as cassé la télé? Oh, vous, c'est pas le moment. Allez, jouez dehors. Allez, hop.
Eh oh, ça ne sert à rien de t'en prendre aux enfants, ce n'est pas de leur faute si ton pote est un vicelard. Un vicelard, ça va, c'est sa femme quand même. Oui, enfin, et alors, est-ce que tu m'as déjà vu moi nu sur une vidéo tenant un truc là? C'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Mais putain, il va m'entendre Michel, hein. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il pleure, lui? Bah, c'est papa, il a cassé la télé. Mais comment ça, il a cassé la télé? Michel! Tu tombes bien, toi! Espèce de pervers, va! Qu'est-ce qui t'arrive? Les enfants m'ont dit que t'avais des problèmes de télévision? Parlons-en de mes problèmes de télévision. C'est quoi, la réception? Ah non, la réception est très bonne, excellent, quand même. Non, le problème, c'est ça. Quoi? Ce sont les films du week-end dernier qui te mettent dans cet état-là? J'aurais bien voulu les voir un peu plus, les films du week-end dernier. Non, le problème, c'est que les enfants ont failli voir Christine avec ce truc à la main, là. Ce truc? Mais oui, ce truc. Écoute, mon vieux, tu fais ce que tu veux de ta vie privée. Après tout, chacun ses vices. Mais là, quand même, les enfants ont failli tout voir. Enfin, les enfants ont failli voir quoi? Mais de quoi tu parles? Mais tu sais très bien de quoi je parle, Christine à poil avec... Quoi? Christine à poil? Mais j'ai jamais filmé Christine toute nue. Non, mais en fait, tu délires. Hein? Ah. Jacques? Non, c'est rien, c'est moi. Donne-moi cette clé. Non, c'est rien, c'est moi. Jack, donne-moi cette clé! Oh putain! Jack, donne-moi cette clé! Sinon, putain, mais sur la tête de Claire, je chie dans ta piscine! Ah non, tu ferais pas ça! Ouais. Bon alors, je veux bien, mais il faut que je la regarde avec toi! Eh ben, allons chez toi! Ah oui, mais j'ai plus de télé! T'es sûr que tu l'as regardée? Allez, Michel, on oublie tout, on oublie cette clé. Mes lectures. Michel, mes lectures, je te dis. Et comme ça, je te plais, hein? Et si je prends ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, tu dis rien? Écoute, Michel. S'il te plaît, Jacques. Laisse-moi tranquille. If you didn't care. Eh ben, Michel. Y'a quelque chose qui va pas? Ouais. Plutôt quelque chose qui va plus. Oh, Michel, on raconte tout à son cousin Guy. Tu souris tout le temps, toi. Hein? Ta femme te trompe, tu vois plus tes gosses, et tu souris. Hein? Allez, puis arrête avec tes allez. J'ai l'impression d'avoir un supporter de foot à la maison. Michel, je voulais juste t'aider, moi. C'est pas de ton aide dont j'ai besoin. Tu vois, là, j'aurais surtout besoin de prendre une bonne douche, tu vois. We would zigzag away through the bottom of pain. Occasionally glancing up through the rain. Wondering which of the bug is to blame. T'étais où? Bonjour son âge. On était en ville avec Annabelle et Mélanie. On a fait du shopping entre filles. Et j'espère que t'avais des ronds, hein, sur ton compte bancaire parce qu'on a flambé, mais comme des malades. Oh, toi ça va. C'est pour faire les boutiques et se retrouver déguisé en. Ça va, calme-toi. Non, mais c'est bon, Christine, laisse tomber. Me déguiser en quoi, Michel? En pute? C'est ça, c'est ce que tu veux dire? Mais dis-le! Pendant plus de 15 ans, j'étais avec lui. Pendant plus de 15 ans, je n'ai jamais regardé un seul mec. Pendant que lui, il se payait du bon temps. J'ai élevé Mélanie quasiment toute seule. Alors, tu sais ce que ça fait de se réveiller un matin en se disant que la vie, c'est que de la merde, Michel? Tu le sais, ça? Allez, viens, maman, viens, on y va.
J'ai plus rien, Michel. Je n'ai plus qu'elle. Alors, tu vois, si j'ai envie de me déguiser en pute, comme tu dis, je crois que j'en ai largement le droit. Pauvre connard. On veut savoir ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu l'as agressé comme ça? Tu veux savoir ce qui m'arrive? Ouais. Je vais te dire ce qui m'arrive. Tiens. Oui, c'est ma clé. Oh non, putain, Michel. Non, non. C'était qui? Mais c'était personne, Michel. C'était qui? Non, laisse tomber, je t'assure. Que je laisse tomber? On filme ma femme en train de se faire baiser, je devrais laisser tomber. Tout le monde est au courant. Jacques, Liliane, et même Annabelle. Mais tu dis n'importe quoi, Michel, mais... Tu veux toujours pas me dire qui c'est? C'est pas grave, parce que si t'es filmé, il doit bien l'être lui aussi. Tiens, c'est Michel. Elle nous invite chez lui ce soir. Pour un visionnage très spécial. Un visionnage très spécial. Quelle drôle d'idée. Des problèmes? Non, pensez-vous, c'est un ami. Le pauvre. Il vient d'apprendre que sa femme le trompait et qu'en plus de ça, elle se faisait filmer toute nue avec... Non, c'est pas possible. On a plus ce que je vous le dis. Dans quel monde vit-on? Des 10 heures, Michel, en ce moment. La carte. Très bizarre. La carte. Ah oui. Alors. Ça va pas tarder. Et puis c'est quoi cette histoire de projection privée? Ça veut dire quoi, Michel? Qu'est-ce qu'ils font tous là? Ça veut dire que depuis le début, tout le monde sait que je suis le gentil cocu de l'histoire. Arrête, c'est ridicule. Ça veut dire que tu m'as trahi. Tu m'as humilié. Mais non, t'es pas humilié. Ta gueule. Ça veut surtout dire que si ma femme me trompe, moi aussi j'ai le droit de savoir avec qui. Non, non, je t'en prie, Michel, fais pas ça. J'ai même pas de mots assez durs pour te dire à quel point tu me dégoûtes. Se faire filmer à poil avec ce truc. To fall.
back to